rencontre plusieurs personnalités, dont le secrétaire d'État américain, M. Pompeo. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Là, on a pas le fond parler avec M. Tolbert, Alexis, ancien président de la Chambre des députés. Nous connaissons que Tolbert Alexis était en fait consul général et consulat, donc haïtien, en République dominicaine, plus précisément, donc à Higüey et Santiago. Donc, et question dominicanien, et Tolbert Alexis. Il toujours été intéressé, monsieur. Il connaît très bien, donc ce sont questions qui toujours intéressent. Ok. Nous déjà gagné M. Jean-Tolbert Alexis, pratiquement, madame, monsieur, sur l'île. Et on a parlé d'abord avec M. Alexis, et puis ensuite, nous parlons analyser. Pas oublier, mais dis-nous dans le début de l'émission, ça. Semaine, ça, grand pile, gros décision que parle, prend sous Haïti. Et par grand pile décision, tout qui parle, prend en Haïti. Par le gouvernement Jovenel Moïse. Maître Jean-Tolbert Alexis, ancien président de la Chambre des députés. Bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat. Bonjour, Loco. Bonjour, tout auditrice, tout auditeur Matin Débat, Isaïe, et Marcelette Classidon, et collègues. Et à toutes, c'est un plaisir pour me capable sous Matin Débat. Et moi, comment ça va être dit, mais après, de par le monde, parce que nous connaissons Matin Débat, c'est masse écoute là, je commence à percevoir un peu le monde qui dit que l'apteur d'une sous Matin Débat en finale de l'émission en avance et saluer. Bien, bien. OK. Et n'investis sur le président Luis Abinader, le nouveau président de la République dominicaine. Nous voyons que le président Luis Abinader, lui, parlait de trois pays en termes de coopération. Il parlait des États-Unis d'Amérique, il parlait de l'Espagne, il parlait d'Haïti. Et oui. Même investi sur ça en marge de cette investiture, donc on est que le président Jovenel Moïse rencontrait donc le secrétaire d'État américain, M. Pompeo, et responsable affaires étrangères, en fait, le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, entre autres, l'autre rencontre qu'il fait donc en marge de cette investiture. Maintenant, avant nous aller sous discours président dominicain Luis Abinader, une rencontre de M. Pompeo avec le président Jovenel Moïse dans le contexte actuel sur le plan politique que nous l'a donné Konyala, qui soit pensé de qu'à discuter. Et puis, en fait, la posture du secrétaire d'État américain, le comportement, parce que, écoutez, c'est non ça, allons rencontrer le président Jovenel Moïse, tout campé, non couloir. Président Tolbert, moi, t'as où commencer avec une des capes d'accueil, là. Et sous table suivre, comment on est accueilli. Oui, dans le couloir. Et puis après ça, on va passer à la question. Très bien. Très bien. Effectivement, et quand on est président de la République, on est dépositaire de toute, soit à Cabrelé, la dignité d'un peuple. Mmh. Et le président de la République d'Haïti, première République au monde, président Jovenel Moïse, il a rencontré le secrétaire d'État américain debout. Et c'est même pas nos salons, c'était comme Takadou, c'est nos galeries, semble soit c'est dans le palais dominicain ou bien dans le palais législatif, ça parce que c'est photo à Mike Pompeo embêté. Et pendant 30 minutes. Donc, on pensait que ça lit très malvenu, et on pensait que c'est un très mauvais message, c'est un très mauvais, c'est des très mauvais signes pour le président Jovenel Moïse, lui-même. Premièrement, l'on monde à niveau ça, il n'a pas rappelé, tout ça, gouvernement américain représenté pour pouvoir battre pour le peuple, hein, parce que quand même, pour pouvoir en place là, tout soutenu le pays là, qui voyait bateau et aide militaire, c'est pratiquement à la faveur du sac que le pays a devine des locs. Donc, le et même administration, ça a pris tout comme ça. C'est debout en courant. Et une bagaille qui attire l'attention, c'est parce que le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, avant sa venue en République dominicaine, a clairement dit qu'il ne fera pas de déclaration dans la presse dominicaine. Il n'a pas fait de déclaration à la presse dominicaine. Mais ce qu'il était venu faire en République dominicaine a été fuité à la presse dominicaine et ceux qui y ont, nous n'avons pas pu voir à quoi. Parce que l'IPT déjà dit, malgré qu'il n'a pas parlé, mais avant l'arrivée, le syndicat a déjà dit, l'événement de Jovenel Moïse date élection législative en Haïti. Je me rappelle que Mike Pompeo était fait en janvier de Anissa, même déclaration à Miami, réalité, moi, des Jovenel Moïse, qui date d'élection législative à fait la taille. Ce magasin qui est un genre gênant pour nous-mêmes haïtiens.
On veut dire quelque soit côté au camp ou non opposition même là avec ou non et l'autre côté les gênants parce que c'est pas un étranger qui pourra rappeler président Lataille ou qui l'aide doit faire élection parce que c'est tourner du cap. Ouais, bien. Parce que Jovenel Moïse, c'est président tout haïtien, y compris moi-même qui pas dans le pouvoir, qui pas dans le régime, pas de moi-même, moi-même bien matin, pas tout qui, c'est des hommes d'État, nous comptons ça. Ça veut dire que le président pays où mal passé, c'est où mal passé. Donc, est-ce que le président de la République n'aurait pas dû justement se prêter au jeu? Parce que pour moi, fait 30 minutes comme on dignitaire, le premier mandataire d'un pays, pour moi, fait 30 minutes camper. Alors, nous allons la parler d'un seul bagage. Et le chancelier haïtien a été très clair. Je dis, les Américains ne lésinent pas sur les élections. Les Américains, par contre, changent. C'est-à-dire que sans elle, ils ont pour faire, ben, ils ont pour pouvoir là, seulement ils ont pour faire, ils ont pour faire. Et le chancelier a été très clair. Les Américains ne lésinent pas. Depuis 1 janvier, après le président Jovenel Moïse, par contre, maintenant, le président Jovenel Moïse, il y a tout problème, etc. Aucun pays dans le monde, dans le 21e siècle, pour une société postmoderne, ça ne peut fonctionner sans le Parlement. Qui trouve le Parlement? Qui trouve le Parlement? C'est pas moi, le Parlement, pas de mais c'est une question de monde. Institution en soi, pour l'exister. Les institutions en soi de contrôle. Parce que, imagine aujourd'hui, les locaux, de qui ça n'a pas les bases? On prend le cas du prêt Taïwan. On a parlé du président Jovenel, qui est l'exécutif, qui a signé le prêt, et puis ce même exécutif a fait un décret qu'on a transformé tête en parlement de ratifier ce prêt de 150 millions de dollars. C'est un jeu, mais c'est un jouet. C'est-à-dire que par un contre-pouvoir qui est paysan. Il n'y a pas d'équipe paysan, mais le même exécutif, hein, c'est lui-même qui peut exécuter, faire bouger, ou il y a lui-même qui a produit, c'est lui-même qui a libéré. Mais qui paysan, le coup, c'est pas bon pour nous. C'est le 21e siècle, c'est-à-dire que l'Américain, c'est le bon le jour, c'est un peuple moral. Tout ce qu'on a au gauche américain, la pin applique, l'Ibral font ouais, ils font peuple moral. L'Ibral font ouais que lui-même, des bagailles, il n'a pas accepté en plein 21e siècle. Donc, effectivement, parce que son bagaille qui est embarrassant, qui gêne, quand un président, quand mon gars soutenu, ils vont côté, il y a pour nous sauver deux, pour pendant 30 minutes, vous n'êtes plus crédible aux yeux de vous-même. Ceci dit, c'est un mauvais signal, pratiquement. C'est un mauvais signal. Très mauvais signal, voilà, mais là, on très mauvais signal, parce que, bravo, par exemple, le Poutine t'a décidé d'envahir la Crimée, le Poutine t'a décidé, Obama, retirer terme Monsieur Poutine. Ça veut dire que dépouvre, ça veut dire que maintenant, je n'ai pas la revanche, pour moi changer. Parce que, quand il y a les noirs, on ne veut pas mériter ça encore, parce que, on tourne au monde, qui a fait des autres, qui parlent ce que principe, qui parlent. Là, Obama a décidé qu'on y a entré dans Donbass, entré dans ces deux zones, côté que l'Ukraine a des difficultés, pour qu'on y a tout, les Poutines décident ça, qu'on y a Obama qui tout parler, qu'on y a coupé, etc. Donc, là, ils vont côté, au préalable, au coup, au préalable, le président Jovenel Moïse et ce que tu as été un pire qu'on est pas contre Maïté. Ça montre que n'aille pas d'aucun contrôle sur rien, ça montre que n'aille fait des marchés en comptant, parce que pas oublier que le chancelier haïtien à Washington déjà, il rencontre un monde qui était toi numéro 3 dans le département d'État, pas arrivé à rencontrer homologué Mike Pompeo. On a comme Mike Pompeo t'a fini ces domaines, ils font force pour rencontrer, mais son bagage ambulant, son bagage marché, son bagage debout. Chaque pays, chaque ambassade, il doit aller ambassade, il doit jouer un moment, même dans l'hôtel, vous devez descendre, coïncider parce que les hôtels maintenant, pas grand pile monde, il y a des gens qui doivent poser Covid, il y a des gens qui doivent coïncider que deux mandataires descendent dans le même hôtel, et puis aujourd'hui, il se passe pour faire un vote là. Mais si tout ceci n'a pas été possible, c'est un message qui est en train d'être envoyé. Ok, on a l'écouté sur le discours de M. Abinader, et on voit qu'il a insisté sur trois pays, Haïti, l'Espagne, également les États-Unis. Ça t'a dit en fait pour Oumen Kapli. Et effectivement, Abinader fait parce que... Il va parler de l'Argentine, il parlait des États-Unis, Espagne également Haïti. Merci beaucoup pour vraiment belle création côté. Il va parler, ça a son petit très important parce que Mike Pompeo, parce que dans le cadre de la bataille qui existe entre les deux grandes superpuissances, les États-Unis et la Chine, Américains ils sont condamnés au tribunal que ils ont signé une relation diplomatique avec la Chine derrière eux. Parce que Américains et Dominicains ont sorte de confiance parce que lui son pays lié, les gagnants, les frontières via Porto Rico, son pays qui a marché, son pays qui est en gens stable, son pays qui a bagaille. Donc, nous avons déjà fait mes yeux parce que vous connaissez Dominicain et non, mais yo. Les derniers l'ont signé et Marco Rubio a dit que c'est sudoyé, chinois, sudoyé,
Danilo là, ça te font retourner. Maintenant, Mike Pompeo s'est investi personnellement dans la bataille pour empêcher Danilo modifier la constitution pour battre Danilo Paris, lui tester parce qu'il avait besoin de lancer du signal. Donc ça veut dire que la victoire d'Abinadel aujourd'hui, et Abinadel a été très clair pendant l'entrée du discours là, il y a le député espagnol, Adriano Espagnol, monsieur Seyon Dominicain qui immigre aux États-Unis et qui est député aux États-Unis. Monsieur Abinadel clairement dit c'est grâce à monsieur, c'est grâce à l'Amérique, grâce à monsieur qui fait que diaspora dominicaine n'a qu'à voter qui fait que le victoire ça. C'est-à-dire qu'on est en politique, c'est donnant-donnant. Et ma compagne, elle déplace une investiture là, donc ça veut dire que l'idée voulait vous un signal. Et en pile, l'autre, nous avons observé déjà que dans le jour qu'a fini, la presse difficile, relation américaine par les pressions, pour Dominique est capable de prendre des dispositions par rapport à la Chine, en genre, et relations, etc. Donc nous ne pas dire que c'est quelque chose, mais justement, et relations au prolongeant, et mitigé parce que, et peut-être qu'il arrive à aller plus devant parce que, pour moi, Américain, par exemple, digérer le fait que, Américain, par exemple, digérer le fait que, justement, la Chine, vient dans Pabli là, vient rentrer comme ça dans Pabli, avec des pays que liguent des relations traditionnelles. Donc effectivement, Abinadel parle de Haïti, et il dit que les relations bilatérales avec Haïti, il est très important pour la République dominicaine. Il dit que les conscients que succès, relations, deux pays, ça dépendent de et présence active et constante, persévérante de deux pays. Yo. Et voulait que vous fortifiez instrument, il voulait que vous instrument qui vous fortifiez relation de bon voisinage et de livrer que développement intégral en frontière à fait et livrer que vous une politique de sécurité effective qui vous aider bien-être de pays. Yo. Donc, c'est en substance cette traduction fait de déclaration, et de courte déclaration, monsieur fait sur Haïti, mais qui est très profonde. Maintenant, et là, moi-même, j'ai un centre de conseil et suggestions sur les réseaux sociaux par rapport à un compte que le président Jovenel Moïse a valgué, parce que je n'ai pas à vous donner quelque chose à côté de placer dans l'opposition, mais il y a des bagages qui vous fait cogner à l'ouko pour, et c'est là, le pays a toujours fait bagages. C'est-à-dire, les gens qui n'ont pas pouvoir cogner, les bagages qui vous fait cogner à vous pays, même quand ils partent en pouvoir encore en février, etc., ils ont pas fait, et le temps pas content nous, parce que ça peut être qu'on a fait. Donc, je pense que, effectivement, Abinadel a de très bons sentiments pour être capable de changer relation avec Haïti, et il l'a bien clair. Moi-même, je vais ensemble de points que je vais essayer, justement, et... Allez-y. Très bien. Et je vais essayer de développer au bout là, rapidement, des points que je débat, que je demande, pour, dans un compte, et que le président... Et Jovenel Moïse, t'as pas gagné justement. Je me demandais pour le président Jovenel Moïse de parler de et la création. Pour le président Jovenel Moïse, c'est le président Abinadel garantit que la créer, la mettre sous pied la création de la commission de frontières maritimes entre Haïti et la République dominicaine. Depuis près de un an, la République dominicaine. Vous avez longtemps, vous avez persisté sous Baïza. L'euro, ça sont, mais c'est des pertes, ça veut dire que, ça m'a beau. Monsieur, moi-même, une dépression en Haïti, par contre, ça vous fait. Qu'est-ce qu'on a eu bon pour payer, n'a eu pas de l'échelle. Et pas pour tolber. Ça va rien avoir, même pas, c'est pas moi qui parle là-dedans. C'est pas pareil, femme. Et ça va être qui, pour payer. La création de la commission de délimitation de frontières maritimes, libre, Dominique est par la soupe depuis un an. Et vous commencez à traiter, vous son contrat avec un film, Texas, qui a fait traiter pour vous avec satellite. Qui ça va faire là-dedans? Vous m'avez dit le ZEE, zone économique exclusive. Qui ça va tout pays qui gagne la mer, à partir de la mer, vous apportez 350 km, c'est laissé à arriver dans la zone internationale. Donc, il y a Haïti qu'on a plein de nous gagnons pétrole, nous gagnons tout bagaille là, en bas la mer là. Et puis, pas comme gagner tête sur vous, non? Parce que zone économique exclusive, nous pas jamais déterminé, nous pas jamais chita sous ça. Mais c'est pas important. Que le président Jovenel était capable, et qui capte le président Jovenel passé, comme on est capable de faire des bagages, qui lui marque nul positivement pour le pays. Bon, Dominique est en fait par là. Et en plus, de temps en temps, il a pas arrêté dans la zone pédéronale et à les pêcheurs haïtiens. Ça t'a pris le gérer confinement. Donc, tout ça, c'est des bagages qui t'a pas le bon pays. Abinadel parlait que l'Ipral fait des investissements près de 2 milliards de dollars qui est prêt à aller dans la zone pédonale, dans le tourisme, dans la zone lacaille. Je pense que c'est le moment, si on te met tes commissions sous pied, donc justement, l'État est capable d'aider et l'État est capable de renforcer. Je demande tout coup, le président Abinadel parlait de renforcement intégral frontière là, développement intégral. Ça, ça veut dire. Depuis près de 40 ans, la République dominicaine a une direction de développement des zones frontalières. Ça veut dire, villes qui sont frontières, ils n'ont leur réalité parce que c'est deux peuples qui ont
arrivé, c'est différent de mon équipe de Santo Domingo qui pas ouais avec qui pas fait son lieu de frontière lié. Donc nous demandé depuis 3 ans maintenant de président Jovenel Moïse mettre sous pied une direction de développement des villes frontalières du côté haïtien. Et soit bon matin, le président Jovenel Moïse, elle parle de bail comme ça mais elle pas fait mention de comme dit, il parle que faut ta gros organe qui pour app et qui pour coiffer qui te servir qui c'est l'armée, qui c'est la douane, qui c'est l'immigration, donc c'est ça faut qu'on développement et mon qui n'a tête lié à l'Iran d'ambassadeur au directeur général ou à rattacher à ministère de l'Intérieur. En deux directions, ça a tout, monsieur Louko Désir, monsieur Tatou, doit gagner une direction, doit gagner une direction région, une direction des bornes. Parce que le pays a 333 bornes qui séparent de la République dominicaine et nous avons 383 kilomètres frontières entre deux pays terrestres. Donc je dis à la pays, bonne qui tenait problème dernièrement, c'est bonne 252, bonne qui tenait problème mal passe là, j'imagine mal passe là, c'est bonne 252, parce que bon, ensemble de territoire, côté qui prend un point frontière normal, chaque pays a été quitté en quantité de terre, ça veut dire que chaque pays a été quitté en salle de zone neutre, mais avec le Wattevin monté, avec l'ACLA, et pas de côté dans le bon Haïti, parce que c'est dans le monde, il faut taper, il faut taper, c'est bon, dynamité, donc c'est à faire, Haïti est en janvier monté. Ou après, nous devenons, j'avais monté les grosses zones neutres entre les deux pays, nous supposons quitter, chaque pays est supposé quitter en quantité de terre. Et même genre avec route internationale là, 2,50 m pour Haïti, 2,50 m pour la République dominicaine. Ça veut dire chaque pays a quitté moitié pour faire route là. Voilà. Nous demandons pour le président Jovenel Moïse tout créer une direction. C'est vraiment qui est bon pour le pays. Et nous demandons tout par exemple, parce que là, et Abinader parlait de développement intégral, il fait référence à groupe Codévi, Nan et Darabon, et Caracol, Darabon, qui a près de 10 à 15 000 employés haïtiens qui travaillent là, côté que yon même employé ça yon, yon saute en Haïti ou en Amet et elle travaille dans Darabon. Yon les a un mur d'opportunité. Au lieu de Haïti monter juste Santiago, monter dans la capitale de chaque travail, yon tout bal travail sur frontière là. C'est ça, Michel, parler de développement intégral là. Oui, mais il y a quelque chose aussi, donc, Et député Tolbert Alexis, alors, en train de le président, dans le cadre de sa conférence de presse, les sorties de Saint-Domingue-là, il dit que le président Abinader insiste pour marché binational-là, fait sous 6 jours. Et comment comprendre ça? Et par contre, il fait. Et non, on ne pas quoi le possible. Et c'est ça, vous savez que le président Abinader m'a dit ça, bon, vous lui faites sous marché national-là, c'est qu'on fait chaque jour. C'est sous gouvernement, la motte. Yo te vin réduil, parce que yo te wèpe yo tapan vahi, pe yi avè produit. C'est pour protéger le produit national. Marché binational n'a pas qu'à faire 6 jours. L'air défavorable pour Haïti. N'a pas qu'à faire 6 jours, parce que Pabli est président Jovenel Moïse, le même qui est président d'Haïti, il est supposé défendre intérêt Haïti. C'est-à-dire, marché binational là. La plus bonne pour Dominicain, s'il fait 6 jours, que pour Haïtien. Tout à fait. Donc, il n'y a pas qu'à faire 6 jours. Il demande, via les réseaux sociaux, pour le président Jovenel Moïse, président Abinader, pour demander, Itobisono, qui sont anciens députés, actuels ministres du commerce, et président Abinader, qui est en ouverture sur ça, pour te permettre, par un courant, cigarette comme il faut, avec bien prestige à rentrer à l'vente de ce domaine. Ça veut dire que, c'est ça. Si nous d'accord, on joue marché en plus, faut d'accord permettre du saillot. Toi, vous du saillot. Nous continuons de négocier. C'est négocier. Même on joue marché en plus, on ne peut pas vendre un pile produit. Mais même toi, Green, ça, permettre de venir sur le marché pour lui. Au moins, ça, nous t'avons bénéficié en bagage. Nous demandons ça. Nous demandons tout que, et pour le président Jovenel, comme il a déjà pas déployé embryon l'armée, nous, en quantité sous frontière, pour le bail, le président Abinader garantit qu'il a renforcé sécurité et sous frontière, pour la parce que le président Abinader, elle s'est finie, lui, il était dans un reportage, il était dans un entrevue, il était dit que, faut qu'Haïti a contrôlé des criminels, des gens qui a recherché par la justice, dans le pays paillot, qui a traversé dans le pays pâle. Et puis, avec l'immigration illégale, faut regarder. Donc, ça veut dire que si je dis à l'armée, et 200-300 hommes, donc ça a aidé, il faut le garantir ça. Je demande tout que pour
et président Jovenel a insisté ce qu'il a, par contre, peut-être pas qu'il a fait, l'OCO sous 100 000 haïtiens qui retournaient de manière volontaire depuis Covid. Ça veut dire que je dis, on pression sur ta vle qui descend sous l'immigration, parce que ça y a Dominique l'immigration illégale là, côté que 100 000 monde, OIM qui fait dominer, OIM en Haïti, qui est retourné pendant Covid là. Ça veut dire que 100 000 haïtiens, c'est beaucoup. Parce que pas oublier, monde qui occupe un autre, c'est majoritairement monde qui était dans la construction. Il n'y a pas de travail dans la construction, yo obligé de tourner. Donc, on était tout le monde président Jovenel pour le demander président Abinadel, pour le capable d'employer, qui est dans la construction, ils ont carte pour 3 mois, pendant 6 mois, pour le cap, pas victime abus de la jeune immigration, qui tout le temps a fait victime abus. Pour qui ça, Louko? Et ça, président Abinadel a obligé, c'est pas le bon pour qui ça. Il y a déjà, ouais, que la relance de l'économie est dominicaine, lucida sur la construction. Ça veut dire, c'est construction, c'est main-d'œuvre. En construction dominicaine, non, main-d'œuvre, là, c'est en Haïti, le sautier. Ça veut dire que 100 000 personnes sont tournées là depuis pandémie, depuis 6 mois. Ça veut dire que, imagine, on est tourné encore. Ça veut dire que 200 000, 300 000 main-d'œuvre que vous avez exploité, et main-d'œuvre, ça, on va le côté exploité. On va le côté. Dans quoi le travail est fait, on peut le retirer pour la sécurité sociale, mais on va le faire parce que puis il faut illégal. Ça veut dire qu'on peut le retirer pour le pays, pour l'assurance, pour sécurité sociale. Mais il veut faire là l'État dominicain, parce que c'est un contact sur le pays, mais l'État dominicain prend comme ça, mais il va avoir un monde pour le bailler parce que le monde n'a pas qu'à réclamer, il n'est pas dans le système légal là. Donc, si le président Jovenel demande, il te prend un gaz, mais il n'a pas de passeport, il n'a pas identifié mon nom, et puis pour le capable, on cap comme travailleur, même dans sa fête. Mexique, elle travaille, c'est Canada, Mexique, elle travaille États-Unis, tout côté. Donc, ça va permettre que Mounio pas victime à but, et ça va permettre, justement, et prestations légales que Mounio pas gain droit avec lui, à le, il y a fait, là, justement, il est capable, et remédier à ça. Donc, c'est entre autres des points que me débat moi-même, pour permettre que président et Jovenel, mais malheureusement, et il y aurait une étape discutée, mais c'est que toute possibilité pour l'autre cap prendre ça, une par une. Parce que le président Abinadel dit, ok, deux jours pour mettre marché à 6 jours. Là, bien, de ok, permettre ministre commerce pour la travailler avec pas. Membre, alors, si on t'a qu'à mettre 11 jours en plus, moyen an, par un coup, prestige, monter à vendre dans la vie. Parce que, ouais, puis, mettre marché pour vendre, mais vendre. Moi, j'ai une bagarre, tout me cavane. Maintenant, dernière question sur question ça, et député Tobé Alexis. Et nous voyons que le président et Luis Abinader insistent en pile sur son changement. Or, nous connaissons que Dominicani, Haïti, là, très difficile avec justement la politique l'agent fait ici en Haïti, il n'est pas aussi facile avec la Dominicaine. Vous pensez qu'il est capable de réussir mandal avec justement la dynamique de changement que le voté? Parce que nous comptons, ça l'avait dit, changement, changer système, changer équipe de bagaille qui était des statu quo. Et nous comptons, ça l'avait dit, l'on voulait changer ça. Oui, mais vraiment, c'est Abinader qui a fait des bagailles extraordinaires. Je vais t'en faire des changements extraordinaires, et ça fait moi-même. Et pour, par exemple, il y a un amendement, et dans la Constitution, pas en chose dans la Constitution, parce que ça va faire nous prêter autant, parce que si on n'a pas amendé la Constitution, le pays a tapé marché. Et si on n'a pas fait la Constitution, le pays a tapé marché. Monsieur nommé, par exemple, comme procureur général, ça y est, le ministre de justice, là. Mon qui était ministre de justice, c'est Jean-Alain Rodriguez. Okay. Et monsieur Allais. Jean-Alain Rodriguez, grand dame, qui est le Myriam, hein. Dame, ça, son juge dans le Cour suprême, là. Et, ma rappelé que, le Conseil de la magistrature République dominicaine, c'est président pays, qui préside, le Conseil de la magistrature. Contrairement à nous-mêmes, ça veut dire que, Dominique considère que le pouvoir judiciaire est quand un pouvoir dérivé des deux autres pouvoirs exécutifs et législatifs, ni président chambre députée, ni président sénat, siégé dans le conseil législatif, dans le conseil supérieur pouvoir judiciaire, c'est domaine là. C'est eux-mêmes, ça veut dire Danilo, avec ministre justice li, avec député sénateur, qui posait juge aux questions, avec les juges tout, qui posait question et a renouvelé mandat, juge dans la Cour suprême. Donc, quand on a dit les Myriam, hein, que procureur Jean-Alain Rodriguez, pendant ma parole, voilà, ça a gagné une heure de temps depuis que, nouveau ministre justice là fait rentrer. Dame ça, son dame nouveau, ministre qui sort en Jean-Alain Rodriguez, c'était mal barré, pendant qu'il a examiné le dossier, en public, devant tout le monde. Eh bien, c'est même dame ça que Abinadel prend, mais c'est remplacé Jean-Alain Rodriguez aujourd'hui. Oh là là. La parole de tout. Dans les moules, c'était devant tout le pays, là. Ouais. Monsieur Blasé, s'il y a le descendu, il descendu, il a rabaissé, un, deux, trois, quatre, il portait des accusations graves, laisse-moi y amender le. Pour tout le monde qui vote l'accusation, je dis non, ce n'est pas anonymat, pas besoin d'où, etc. Il a dit non, c'est vous-même qui faites suivre moi,
pour le donc, c'est un gros échange entre le juge et le juge n'a pas renouvelé le mandat, il n'a pas retenu. Et puis, mais je dis, le ministre de la justice qui était pacté le contrat, c'est lui passé. Lui, il est placé comme ministre. Ça veut tout dire. La loi, et M. Fernand discours là, M. dit qu'il est très fort, M. dit que c'est sans la loi, pas de liberté, sans liberté, pas d'investissement. Ouais. M. dit que c'est pas qu'à dévot de l'autre, on seul homme, c'est l'état de droit pour le backup, à travers le Parlement pour faire des lois, à travers l'étude pour les zones habitées, pour ce qu'on crée un monde qui a fait volonté le passé. Pendant que M. a dit ça, m'a regardé le président Joseph Nafsuba, là, donc vous pensez, M. a dit que c'est pas une situation haïtienne, ça ne va pas même pour nous. Donc, pour nous qui t'a dit, je pense que nous devons toujours, et M. parler de la bataille de le cri de Capoti, M. t'a parlé de ça, le cri de Capoti, c'est quoi, Louko? C'est 12 monde, dont Grégory Rouperon, M. fait Puerto Plata, dans le moment où M. t'a fait à Puerto Plata, c'est ton territoire haïtien, parce que c'est haïtien qui t'a gouverné la République Dominicaine. Maman Grégory Rouperon, c'est haïtienne. Grégory Rouperon, fait partie de 12 jeunes, qui étaient, M. parlait anglais, créole, français bien, monsieur fait partie de 12 jeunes qui étaient gourmés pour restaurer, parce que hier c'était la fête nationale de la restauration de l'indépendance de la République dominicaine. Ouais. Et Abinader fait référence à ça. Mais une autre chose que je veux souligner, c'est que moi, ici, qui est Alfredo Desjeunes, je sais pas, au Cap, monsieur son commerçant, pendant la bataille, pour permettre Dominicains de reprendre la deuxième indépendance dans l'Espagne, parce que Haïtien était toujours maintenant tête, yo, si l'Espagne occupe le parti S, là, à n'importe comment, la France est rentrée dans le parti ouest, là. Donc, aujourd'hui, il y a des mouns, qui étaient des éclairants haïtiens, qui ont entré à l'argent, dont Alfredo Desjeunes, en commerçant au Cap, qui vient sur le pôle, dans le musée restauration, à Santiago, vous mettez photo, monsieur, t'as un héros, un haïtien, monsieur, c'est un héros de la guerre, de restauration de l'indépendance dominicaine. Monsieur, c'était premier ministre, finance, notre premier gouvernement, les Dominicains étaient fin désoccupés pays ou par l'Espagne. Donc, soit c'est qu'on histoire bien, et président Abinader fait référence à ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a, nous avons l'occasion, si nous demandons au président Jovenel Dou et nous confortons nos mots ambassadeurs en République dominicaine, parce que ça fait trop longtemps. Il n'est pas possible parce que j'ai l'air de tout ça, mais mon ambassadeur n'est pas gagné. Même le premier pas n'est pas gagné. Mon ambassadeur est plénipotentiaire extraordinaire. Qui bon vis-à-vis du président Abinader pour le cagon monde, pour le parler, pour le cagon monde, pour le travail. Voilà. Donc, je voulais faire point ça, moi-même, je n'étais pas conseillé, moi, publiquement, je souhaite le président Abinader parce que c'est pour payer, pas pour moi, je n'ai pas besoin d'adhérer, je n'ai pas besoin de participer, moi-même, je n'ai pas ma fait, mais tout ça qu'on peut Haïti, même moi, fait là, même j'ai tout à fait, même j'ai eu à faire, moi-même, fait là, façon pas. Et même, une bonne opportunité pour me faire là. Donc, ma salue à Mandila, ma salue Wissi, Captain Demrendel, le journal, ma salue, me salue au même locaux. Salut Manta, salut toute équipe moi, parce que mes idées, tout quoi des bouquets, Captain Dim, c'était vraiment plaisir pour me toujours parler sur vous, pour me faire point ça qui est très important. Eh bien, merci en pile, député Tolbert Alexis. Bon, on a analysé et bien maintenant à toutes. N'a pas salué Yvon Jérôme qui est là, avec toute l'équipe là, ça qui est là, monsieur, ça qui est là. Et Yvon Jérôme qui est quelque chose battant là. Et Wata. Bon, la fait comme. La fait comme. Qui bon? Ils vont programme Carrefour. La fait comme. Ne parle pas d'aller. Ok. Bon, on nous analyse. On allait, monsieur. Alors, ça pour nous retenir, c'est que le nouveau président dominicain l'a prôné changement, je veux dire là. Et nous connaissons très bien que changement, c'est pour moi qui est facile. Parce que l'on statu quo, l'on establishment qu'il a déjà. Et ça fait négici, moi, il y a un négici qui font dans mon système, faut changer le système. Est-ce qu'on a un négici par le changement de système encore? On va attendre ça encore. Parce que ce n'est pas aussi simple, bien qu'on comprenne rien. Ou qu'on peut être ouel, mais faire son autre bagaille. Parce que l'on establishment qu'il a, j'aime d'abord dire tout à l'heure dans le début de l'émission matin débat, d'abord c'est des gens qui gagnent comme. Et puis ensuite, c'est des gens qui contrôlaient tout système politique là-même.
et qui grésille de tous côtés dans tout ministère, même au niveau du cabinet du président de la République. Ma même besoin d'où au niveau de l'administration publique, même pour dire que quand pile monde qui nommé, il voit pas que c'est stable là qui nommé. Voilà, monsieur, le problème est très sérieux. Le problème est en pile. Et qu'on l'a ma machine avec nous pour me dire nos problèmes pays d'Haïti. Et c'est mon problème qui a résolu demain matin. Désolé à ceux-là qui croient que, en fait, je dis, hein, pour mener une bataille politique, c'est qu'un bon discours de changer le système. Oui, changer le système, c'est facile à dire. Mais c'est comment changer un système? Nous sommes bonnes, Jacques, on répète. Ah oui, comment bon, changer un système? Les bons thèmes fait tomber, tout le monde a vite tout le monde a vite la donne, oui. Et soudainement, de qui ça veut dire, la, et il n'est pas capable. Toute difficulté dans le monde, vous l'expliquez, il n'est pas capable. Oh, le discours maintenant de M. Luis Abinadel, le chita sur question changement de la République dominicaine, pas oublié. Haïti avec la République dominicaine, c'est 11 oiseaux, avec deux ailes. Ouais. Depuis, on ne pas marcher bien, l'autre là, il y a un petit problème. Depuis, l'autre là, pas bon, l'autre là, il y a un problème. Vous avez dit que, ou pas loin que. Et ça fait, il y a un inquiet, l'autre instable là, l'autre inquiet, parce qu'on a pas au problème. Même Jean, je dis, on voit que Haïti pas qu'un, donc, Dominicain, il y a un corona. Or, si Haïti t'es un corona, Dominicain t'as inquiet. Donc, ou pas loin, madame, monsieur, que Dominicain, par mettre ton focus, donc Dominicani par mettre ton focus sur Haïti. Oh! Dans l'intérêt. C'est pas pour cette raison là, que le président lui mandé que marché binational l'a fait pendant 6 jours. Mm-hmm. Parce que justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, Josué, qui sont les bouvins? Nous pas produire rien. Ou pas gagner bouvins? Pas gagner bouvins. C'est-à-dire que c'est Dominicain, c'est économie qui a venu renforcer. Et ça fait ouais. Et là, ouais, il y a un problème autour des frontières fermées. C'est yon qui a un problème. Correct. Ou qui a un problème ou même parce que votre dépend de yon. Parfait. Mais économie, yon a chita sous nous. Correct. C'est yon qui a un problème. C'est yon qui a un problème. Alors, nous qui a un problème nous-mêmes parce que nous pas qu'à manger, parce que nous pas produit. Nous avons un produit pour nous bailler tête nous manger. Correct. Voir pour nous t'avendre. Correct. Et yon même yon a un problème parce que économie, yon a. Ça yon fait, yon fruit. C'est la canou a découlé. Correct. De ça veut dire, et c'est dans tout intérêt la canou, dans intérêt pas yon. Correct. Pour yon, manier question, échange qui gagne, format qui a ouvert, il est capable de gagner plus de temps pour écouler les produits, parce que pas oublier. Et République Dominicaine, pas seulement dans question, et d'ailleurs, du lycée, si c'est pas le premier pays exportateur de bananes à travers l'Europe, mais, y'a qu'est-ce qu'on tabac là, tout? Oui. Y'a qu'est-ce tabac là, la marché cigare, y'a, il commence à concurrencer cigare et Cuba. Oui. Ça veut dire, y'a travail, y'a même. Mais même, ou a goumé chaque jour. Ou a craser agriculture là. Ou a craser production nationale ou. Y'a haïtien fait pas jambon pour haïtien. Donc ça veut dire, nous pourquoi, nan phase où n'y pays. Donc, on a parlé de bilatéral. D'avoir dit un bagage, José. Bilatéral pas fait et campé, non? Bilatéral pas fait campé. José, on a dit un bagage pour parler net. C'est pas parce qu'on n'a pas rien pour vendre. Y'a pas accepté rien qu'on gagne ou qu'on vende. Gen bagage ou gagne qu'on vende organique. Oui, mais faut mander. Faut commander. Non. Faut composer. Non, ou gagne une faiblesse politique. Très bien. Ou mal fait politique. Et tu pas capable de tout. Ou pas de monde capable de politique. Ils font bataille pour déplacer pion pays d'Haïti. Donc on y a là. Ou quel problème? Non, nous tout dit dans ma tête. Bah, sauf qu'il baille. Et bien, c'est pas ok, on est clair. Pendant, et depuis, tu as parlé à la première ça qui vient de tête. Mais c'est sorti. Alors, c'est sorti qui baille, imbécile qui baille. Donc, je vais battre le deal là. Sous pas proposant, on capable, on pas bon politique. Ouais. Pas oublier. Président, nous t'es parlé là, il te dit, il mettait en phase, il met ton parti dans le programme, ni sur Haïti. On parti. C'est pas pour, non? C'est pas davantage, non? C'est quand elle est capable d'exploiter, elle a utilisé. Oui, ça ne va pas parler de la Guantine. Parce que, États-Unis, madame, monsieur, écoutez, bon, je vais vous connaître. Dans l'élection, Luis Abinader là. Alors, depuis tout le temps, qui se passe sur la vieille joie. C'est votre diaspora dominicain qui fait Luis Abinader vin président et votre diaspora aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire qui ça? Dans le discours de Luis Abinader, le président dominicain, il a remercié un sénateur américain d'origine dominicaine qui était goumé pour permettre que diaspora voter dans le cadre des élections, madame, monsieur, en République Dominicaine.
Vous avez dit ça? Elle dit que États-Unis participaient. Non, 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 oui. L'élection, monsieur. Ouais. Comprenez bien. Maintenant, pour qui ça, Danilo Bézina? Ou est-ce qu'à la dernière minute, pendant un mandat là, où elle vient faiblir? Sous question, la Gantina. Ou est tout ça que tu as annoncé au songe? Ici, on analyse ces questions, madame, et puis matin, t'as tout. Et sous question, la Gantina, soit que Dominicaine était fait entre la Gantina avec Taïwan. La Russie et Taïwan. Nous analyse ici, et puis on gagne matin, on a dit qu'on faut se camper. On a parlé de plusieurs milliards de dollars. Mais on voit que dans le discours, Louis Abinader, là, il insistait sur trois pays. États-Unis d'Amérique, parce que quand même, quand vous voulez parler de l'Américain, intérêt, lui-même, pas vraiment intérêt. L'Espagne, qui c'est maman, qui c'est papa, et puis Haïti. Mais Haïti, que le cité, là. C'est parce que l'Irim Haïti, ou bien ça, Haïti. Chaque pour raison, pas non! Chaque grand pays, ça, pour raison, pas ouais. Alors, au grand président qui est formé aux États-Unis. Président dominicain formé aux États-Unis. Très bien. Les comptes systèmes, non? Les habitués avec elle. Et lui respecter les comptes sales qu'a fait avec. Maintenant, mais je dis à chaque fois, on a parlé de Saint-Domingue, nous pour Haïti. Nous pour Haïti. Gon bagay pour nous d'accord. Gon bagay, faut qu'a ici d'accord. Nous, gon bagay nous fait. Mais nous, elle est politique. Nous, gon bagay que nous fait. Parce que nous pas. C'est pas politique l'affaire. C'est pas politique. Mais c'est pas nous en 2020. Donc, là, on a parlé de politique mondiale, on a parlé de pays. Faut que nous pas parler de nous. Parce que, si bagaille nous n'a fait, nous chagrin n'a fait, n'a détruit pays. Avantage qu'on gagne le coup. Majorité pour ne pas du tout. Majorité. Politiciens haïtiens. Majorité moun ki gen moyen économique tout gon résidence nan poche ou bien yo naturel clair ay di que malgré tout ou nèg yo pa ka pran sa bon yo ou bien yo pa ka copier sa ki bon ouais et ça veut dire là donc même question diaspora ou parler a sou pran ou ka sorti de preuve là nos jours même jongen doit prendre ou qu'a sorti de Matéli à nos jours. Pour combien de diaspora cap travail nan haut niveau en Haïti? Très bien. Maintenant, qui sa yo bay comme sa yo gen nan tête yo? Parce que ce n'est pas question pas problème diaspora. C'est dans qui système ou met diaspora? Comment utiliser le? Ça me doux. Et tant sont bon manger, on bon manger qui noie cette salle. Voilà. Voilà. On bon manger qui noie cette salle. Alors, soit parler de diaspora, soit parler sérieusement de diaspora dominicain, Haïti, ou pas à dire pas de diaspora. Non. Il y a pile diaspora, mais c'est pour eux chaque vendredi au prend avion et aller. Il y a côté comme haïtien aller. Et le dimanche matin, retourner. Et ça gagne longtemps, c'est qu'on s'en fait. Et ça gagne longtemps. Haïti a payé, nous te capte du bill aux États-Unis. Non, c'est bien. Écoutez, maintenant, qui est sacré sur nous? Son gros va vous dire la vérité à tout. Et que mon pas la vérité. Mon n'y a pas voulu dire la vérité. C'est-à-dire que, madame, monsieur, comment bien, son gros bagay vous dire la vérité à tout. Que mon n'y a pas voulu dire la vérité. Tout qu'on a parlé de diaspora, il y aurait seulement transfert que diaspora vous en Haïti. Mais on pas voulu dire à tout. Comment Haïti contribue tout à l'économie de leur pays? Parce que madame, monsieur, là, on a été la grand pile moun là, qui vivent l'autre côté. Ça a été cap kembe, oui. Grand pile moun là qui est dans la diaspora, que ce soit aux États-Unis, en France, au Canada. République dominicaine, Chili, République dominicaine, surtout. Surtout. Ça a été cap kembe, c'est quoi, Haïti, oui. C'est transfert quand on a été cal, jeune moun, ça qui fait au cap parti pour notre pays. Et notez, ouais, va les quand c'était l'argent. Oui. Et Haïti, voyez, en République dominicaine, chiffre et échappé pour l'instant. Qui quand c'était l'argent, que Haïti voue en République Dominicaine chaque année. Chaque année. Que moun ka paye l'école pour petit yo. Que moun ka paye kaye pour madame yo. Que moun ka l'achete qui gen business là-bas tout. Donc, quantité l'argent, ça veut dire nous sommes pays qui enrichit l'autre pays. Très bien. Mais nous-mêmes, nous pauvres. Oui, nous pauvres. Minimum nous gagnons. Nous pas qu'à Québec, mais.
Oui, mais tout bas là, son question, madame. Monsieur, madame, monsieur, tout bas là, son question. Son question d'éducation et de formation. OK? Et moi, que je vous dis, Haïti, pour nous sortir, Haïti, dans sa liée là, nous avons besoin que son équipe qui connaît exactement ça l'affaire. Maintenant, ça, c'est pour une partie analysant, analyse sur deuxième partie. Bon, monsieur, pour me dire que. On moun pa né politicien ou gen doit pa tremen politique. Mais ou pa ka comprendre nan tête pa ou gen 10 ans devant ou di fòk ou magistrat la caillou. Mais mes amis, faut mettre tout. Entrez. Non, parti politique, c'est politique. Faut mettre tout. L'on pa bon responsabilité même. En dans ce politique dans localité côté là, dans commune côté là, ou pa jèm mon rêve, ou pa jèm gen rien. Est-ce que où était qu'on s'appime, bah on a une opportunité rivée. Donc on a pas une opportunité économique personnelle. Mais soit on parle de pays. Mais c'est mis des niveaux. Le pour arriver dans yo, faut qu'on discute des pays. Faut qu'on habitue chita beaucoup de monde qui a discuté des pays. Faut qu'on appelle lui personnage, lui livre. C'est le monde. Ou pas qu'à lever ton président dominicain pas qu'on s'en parle là. Ça veut dire là. Donc en Haïti. Nous gagnons longtemps, c'est des mouns, nous par contre côté au sorti, nous ben, Haïtien là, il politicien. Mais c'est vrai. Bon, Haïtien là, il politicien. Bon, pendant ce temps, ces politiciens, ils sont responsables. Pendant ce temps, lorsque gagnent l'élection, ils sont pas élus politiciens. Donc, bon problème, politicien, l'algon côté, chaque fois l'a passé, l'a parlé, il gagne 2 ans, 3 ans, l'a dit, on bagaille. Bagay là dit à suivre lui. Ancien président, moi-même, dit comme ça, en nous garder accueil là. Parce que, moi, j'étais quoi? Tout ça qu'a fait en Haïti, qui fait échec, comme son pays d'échec, nous perdu dans la forme. Nous pas jamais entré dans le fond, nous pas gagné de temps. Ou mettre pour arrestation, lui, l'autre jour, dans la forme. Ça veut dire que, nous pensons à faire. Alors, vous pas d'accord. Arrestation, comme si vous connaissez, mais, même invitation, ma parole, comme si vous êtes dans la forme. L'autre pour tout procédure, l'autre pour tout bagage, vous dites, tête, monsieur. N'est-ce pas préparé pour vous inviter, oui. Comment, vous pas m'entrer dans le fond, non? Donc, gardez comment vous recevez le président, là, pour aller, ouais, ça qu'a passé. C'est garder comment vous recevez. Et j'ai recevé là, pour aller, d'où ça qu'a passé. Mais, pour garder, comment vous recevez là, faut que vous ayez une compréhension de coup de vous le faire. Bon, en tout cas, là, nous tout entrer... Bilatéral, la baga fait tout ça. Okay, nous tout entrer la deuxième partie, donc, en arrière, madame, monsieur. Et on va aller, faut dire, bon, nous allons dans deuxième partie. Oui, alors, deuxième partie. Et nous t'avons parlé de gens vendre tout. Par exemple, conseiller des produits en République Dominicaine, nous vendons, fait seulement pour Haïti. Oui. Les sont médicaments encore. Médicaments, ça veut dire des bagages qui sont capables de tout. Parce que même les médicaments, ils ont double aspect. Ils sont capables de sauver la vie. Qu'on s'assure capable de tout. C'est clair. Gocephaltrex, aussi haut. Gocephaltrex. On dit venta exclusiva para Mercado Haïti. Donc, la bonne exclusion. Pour marché, c'est vous où vous faites seulement. Ça veut dire ça. Ça veut dire là, nous ne pas connaître. Donc, ça veut dire, ministère du commerce,
Est-ce qu'il y a un contrôle sur ça qui a entré dans le pays? Ça oui, n'a pas consommé en tant que, en tant que pays. Nous sommes les questions et farine, ça. Est-ce que nous sommes tout, il y a l'huile qui t'a sorti dans un anti, qui t'est venu dans l'huile que vous finissez fait frites, comme si vous finissez utiliser, et puis vous mettez le ladou, mais vous voyez le baou. C'est parce que c'est ça. Ça me dit, ou pas même, ou pas des chefs. Ou pas des gens qui payent, imbécile qui va boire. Donc, ou pas empêcher, ou pas t'empêcher payer, l'aile qui ne servit à l'huile pour le doum, l'ivoire le bas parce que c'est comme l'a fait. C'est eux-mêmes qui ne pouvez pas comporter en poubelle, pour pas respect, pour pas recevoir ça. Donc, ça veut dire, nous comptons qui dirigeant, et ça, les amis, ils ont dit, papa, les six, je ne parle pas des dirigeants, je parle des dirigeants trop plein. L'INFM parce que, moi, par contre, comme si, j'ai l'impression que ma, heureusement, il y a des gens, il y a des gens qui croient en Haïti, qui vont attendre nous, qui croient dans sa travail à faire, mais les déviants, ou des gens comme ça, ou comme considérés comme déviants, ils parlent, ça ne va pas venir faire trop effet parce qu'il y a trop de bons gens qui suivent. Mais, ça veut dire, c'est dirigeant qui pourrait empêcher ça. Le sous-marin, mon dirigeant, on a toujours été comme une poubelle. Eh bien, ok, deuxième partie, analysant, madame, monsieur. Pas oublier que je dis, nous avons une émission, donc, qui a fini un petit peu plus tard qu'une heure parce que vraiment, ça nous gagne sous table là, et il est vraiment donc, important pour nous garder yo, donc, jusqu'à ce que l'émission finisse. Deuxième partie analyse. Le président Jovenel Moïse a été reçu comme il a été reçu, donc par M. Pompeo, de les coulisses en fait, et au palais présidentiel dominicain. Nous étions well. Un petit coin, couloir. Nous étions well. Et on a pris de là. C'est photo ça même que le secrétaire d'État, donc lui-même, n'est possible. Pour ces deux photos. Yon ne l'a rencontré, président Danilo Medina. Côté où est Oshita. Oshita, où est c'est dignité qui Chita. Et puis, l'autre photo, c'est côté que l'a recevoir, donc le président Jovenel Moïse, avec un représentant, plus M. Pompeo, avec un autre représentant. Madame, monsieur, ça, c'est un signal clair. Pourquoi ça, ça veut dire? La démarche de monsieur. Pourquoi ça, ça veut dire, politiquement? C'est Haïti, je vois comme ça. Non, mais ça me doute. Écoutez, monsieur le président de la République. C'est Haïti, oui. Non, mais c'est le président de la République. Oui, mais maintenant, un autre qui fait en analysant, madame, monsieur. Le secrétaire d'État qui est Mike Pompeo qui sauve le mandat Jovenel Moïse là, nous songez. Vous d'accord avec moi? Oui, mais pas si vous voulez. Libre traitement volé. Libre traitement volé. Le secrétaire d'État qui est M. Mike Pompeo qui a sauvé le mandat du président Jovenel Moïse. Et que ouais, même Mike Pompeo ça accueilli président comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Permettez la toute, je suis ton ami, je suis ton frère. On a fait matin débat ensemble là. On m'a ton débat qu'on vient là, on dit moi-même, papa, le microphone annexe, il y a le lourd désir. Vous pensez qu'on peut camper, en bas, on va monter escalier, on dit m'a attendu. Vous voyez le signal là. Il voit le signal là. Gros problème grave. Gros problème grave. Comprenez bien, madame, monsieur, ça veut dire qu'il y a un problème. Même si, au niveau d'Haïti, une question de compétences qui t'a posé, savoir sur le plan diplomatique. Madame, monsieur, la diplomatie, c'est une science. Et bien, n'importe qui n'est pas capable de dire diplomate. Parce que ça qui est écrit pour Haïti, il y a écrit pour Italie. C'est le même livre-là. C'est pour la France. C'est le même livre-là. C'est le même livre-là. C'est le même livre-là. Donc, même si on est sur le plan diplomatique, l'équipe qui se charge, en fait, de la diplomatie en Haïti, il t'a pêché. Dans le cadre de sa compétence, pour ta connaître que faut t'arranger un salle pour le président, que ce soit dans l'hôtel ou bon côté dans le palais, pour te rencontrer avec M. Pompeo, Chita ou bien non Satan. Même si, t'as un problème ça, t'as diplomate, t'as pêché. Ça veut dire que vous venez comprendre clairement que, madame, monsieur, il n'est pas normal que, en fait, le président reçoive comme ça. Donc, si il reçoive comme ça, le problème qui est grave et très sérieux. Non, non, loco. Donc, sauve, c'est. Jovan Tetou. Jovan Tetou, avec quoi acheter. Ça dit que. Ça dit que. Quelque part. Oui, ça dit que. Vous avez des bagages ou pas capables dans le monde. Et pour le faire pour vous. Et si vous-même, vous pas faire fort. Pour gagner. Et t'es gagné de temps pour au sérieux. Dans tel ou tel domaine. Mais expérience au faveur. Ou pas permettre au bon plus respect. Quoi? Au bon respect. Donc, parce que ou pas non domaine côté fait cadeau. Oui. Non, police pas, ça va exister. Bon, eh ben, voilà. Et surtout en diplomatie, ça va exister. Ou je ne sommes pas. Intérêt. C'est pas un cadeau, c'est intérêt. Ou je ne sommes pas. Et ils ont traité en fonction de l'importance qu'on va avoir. Ok. J'en vends tête. Donc, madame, monsieur, n'a pas retourné sur l'analyse, matin, débat est fait. Là que G9 est formé.
Nous te dit ici à sous ta batte débat. J'ai neuf la cabine de nos outils. Qu'on a un pouvoir lui-même l'utiliser. C'est même surtout quand quelqu'un international a utilisé des jeunes flacs contre pouvoir. Si, et seulement si, Jovenel Moïse, comme président de la République, il est arrivé dans une situation que tu n'as pas qu'à délivrer. Madame, monsieur, il faut que les oui, là, faut nous clair. Est-ce qu'on est qu'à partir de ça qui passe ce domaine-là, comme tant des présidents de la République a dit que la PRAL fait élection en 2021, on a regardé qui date que le Balbaï. Parce que, madame, monsieur, est-ce que c'est janvier? États-Unis d'Amérique et même le ministre des Affaires étrangères haïtien, lui insiste sous sa loupe que les Américains ne vont pas lésiner sur la question des élections. Ça dit que si date élection 2021, il n'est pas annoncé dans la zone. Dans la zone. Zone masse. Ou ap di salam triste. Dans zone masse. Ou ap di salam en vie crier. Pas continuer. Parce... Si élection 2021 pas annoncé dans zone masse. Ici. Si? 2021. S'il pas annoncé dans zone. Bon oui, dans masse ici. Non, comme si dans masse ici. Oui. S'il pas annoncé dans masse ici. En 2021. S'il pas annoncé dans zone. Février, avril, yo. Mais faut que tu aies signé tout. Il va faire un café. C'est pas comme si l'élection par annonce en octobre, novembre 2021. Que toi, pire, oui. Non, c'est toi. Bonnet. Gardez-moi. Cool jour. On nous garde pour nous. Coq-chanteur. Nous blessons. Sortez là. Nous blessons. Ouais, c'est là, il blessons. C'est là, il blessons. Ouais, si nous blessons. Mais comment nous t'adoucions? Parce que le chalet là. C'est le problème là. Ça, on va me chaler même. Ça nous dit. On va donner une date d'élection mineure dans mon chef. Et ça va me cacher d'abord. Bon, moi là. On a dit. Si nous blessons. On a passé. Pourquoi on doit dire un régime? Ouais. Mais on doit dire un pouvoir tout. Je ne vais pas empêcher le monde de dire ça. On doit dire un régime ou bien un pouvoir. Le pouvoir est PHTK. Le régime est PHTK. Claire. PHTK, pas qu'on réalise l'élection. Sortez là. Non, mais monsieur Madil, il va dire. Aussi simple que ça. Maintenant, je vais dire un bagage. Je répète l'ici déjà. Pourquoi je vais te dire ça? Monsieur, monsieur. Le pouvoir ou bien le régime PHTK, yo pas qu'on fait élection. Mais en matière démocratique, nous répéter ça là déjà, ou bien nous répéter le déjà. Lorsque démocratiquement, ou pas qu'à réaliser élection, ou son pouvoir anti-démocratique. Et les États-Unis? Comment pas lésiner sous ça? Les États-Unis? Non, mais non, PHT cabinet officiel. Mais PHT cabinet officiel. Il va faire le même d'aller passer pas de gagner élection pour moi. Ça, c'est dit, mais maintenant, doute. Nous pouvons regarder dans l'élection que le président Jovenel Moïse parle en 2021. Pourquoi le 1er janvier? Et c'est à partir de Datsan Bakone. Ok? Avenir jusqu'à 2022. Ok, ouais, le discours. Attention, jusqu'au 1er janvier. Attention. Bon, mais le discours. Poulf Bailey. Poulf Bailey. Mesdames, messieurs, je parle de démocratie. Moi-même, je parle de démocratie. Il y a une forme. Démocratie, nous gagnons. Poulf Bailey, date là. Faut obligatoirement l'échiter avec les partis politiques. Donc, moi, je suis dans le parti politique ou pas quand même? Et c'est si dans le parti politique, vous pouvez avoir un conseil électoral provisoire, ou pas gagner l'élection sans un parti politique, ou pas gagner l'élection tout sans un conseil, et conseil électoral faire l'élection. Et la constitution. Oui, c'est vrai. Le grand pile parti politique, pas. Donc, ça veut dire ça, ça veut dire que. Ouais, bah, les candidats, ça veut dire. Pour chuter avec un parti politique. Écoutez, mon frère. Oh, attends. Et attends, Agnès, ma avec doute. Bon. Ça veut dire que. Pour pas débattre la net. Ou vous citez nos messieurs, qui est-ce qui va chuter avec? Attendez, mon frère. Qui est-ce qui va chuter avec? Écoutez, mon frère. Mais politiquement, on dit qu'elle va chuter derrière vous. Qui capacité Joseph Gagné pour le chuter avec le parti politique pour Jovenel Moïse à faire élection? Elle dit que, madame, monsieur, faut nous comprendre bien, il faut nous garder bien entre les lignes. Pas qu'on 15 jours, vous savez, nous connaissons qui a parlé. Et ma batte sur ma bien fort là. Pas qu'on 15 jours pour Jovenel Moïse comme président de la République, continuer avec ce cabinet ministériel. Amateur Django, où est-ce qu'on peut appeler les sauvages? Vous connaissez où qu'on peut appeler les sauvages? Mais ça, où est-ce qu'on bat les sauvages? Vous pouvez appeler encore nous pour moi. Ah, ok, Dieu! Il est bon? Nous devons faire tout le monde. Ah, lui, Camille. S'il va faire tout le monde, il va faire tout le monde. Par contre, 15 jours, vous, Jovenel Moïse, comme président de la République, continuez avec Joseph Jout, comme premier ministre également sur le cabinet. Pas aucun Dieu. Alors, premier bagaille.
À partir de ce dia. Ah, donc, madame, monsieur, ça n'arrive pas comme dans nous parce que t'es garé ça sous nom. Parce que m'on lit. Non, à terre. Parce que on m'on gabli. Tade, ben, si on m'on gabli, sous qu'on lit, sous ça n'a pas dit matin, sous ça n'a pas analysé matin, pas qu'aucun gens pour Jovenel Moïse fait un pas en plus avec Joseph Jout, s'il voulait aller vers les élections. Non, mais... Parce que garanti, pour partir pour les étudiants, si tu as parlé avec lui, il faut que le ministre sorte dans le temps. Mais ce premier ministre qui joue pas un pays sous papier, sous rien, à partir de là seulement. Oui, mais on met petit ça seulement. Nous clair. On a le. Et ça, c'est ça, comment est bien le bonsoir, bien le bonjour. À l'occasion, bien malgré tout, José Lexidon. Bonjour à chaque grand ami, auditeur, auditrice de Radio Télé Éclair. Eh bien, l'occasion, tu as dit vrai. Maman, vous battez pour cloche. Vous n'avez pas besoin de battre ce maquillé. Battez pour cloche. Non, mais pas de battre ce maquillé. Et battre le stomac ou et oublier battre. Quatre noms, sont en liste pour remplacer Joseph Jout dans le cadre du consensus. Quatre noms qui sont listés là pour remplacer Joseph Jout. Dans le moment où on a parlé là, il y a de gros réunions qui ont fait Louko Désir. Pour capable, remplacer Joseph Jout, parce que le président de la République, là, t'a supposé, et quand même, chita parlé avec divers partis politiques, dans le jour qu'a brûlé là-haut, juste pour capable, après un consensus, ça a payé à ton, pour capable entrer dans les élections. Même là, il paraît un peu difficile, mais, ça qui discutait, et un peu partout à travers les États-Unis d'Amérique, surtout avec les États-Unis d'Amérique, avec le Canada et la France, ça nous dit que question gagnant, et c'est ça qui est sous table là, et c'est son président de la République lui-même, selon information, qui a une volonté selon certains diplomates, mais il faut qu'il fasse valoir volonté ça, selon tout ça qu'a parlé. Le niveau international là. Alors nous connaissons les quatre noms qui dans la liste là, il y a un monsieur Gardi Leblanc. Gardi Leblanc. OBL. Edmond Supplice Bonville. Ça dit là. Allez toujours. Alors monsieur. Joseph Lambert. Composé. Charles Jean-Jacques. Quatre noms qui en liste pour capable venir remplacer Joseph Jout. Non, on n'a pas la voilà là, c'est que il y a des problèmes qui posaient en dans le gouvernement. Et ils ont estimé que Foc et Gaïen et Sanorelé ont l'autre gouvernement pour capable quand même consensus ça, parce que selon international là, pays a pas supposé reset. Nous, on tous le reset sur le téléphone. Ça veut dire que, ils ont vraiment un téléphone là, c'est tout bagaille, net allé. Donc, ça veut dire que, je dis à là, et selon international, là, on m'a parlé selon international, toutes les informations. Maintenant, et à la une, ces derniers temps, c'est question gagnant, qui a des problèmes en notre pays, question, Genève, ils ont dit qu'ils ont gagné, et contact serré avec le gouvernement, et avec le pouvoir, ça qu'il a. Et l'autre problème, c'est que les partis politiques, eux-mêmes, qui peuvent voler tout le monde, chita, mais qu'on réunion, ils peuvent convoquer les partis politiques là. Pendant la parole là, des coups de fil qui sont là, qui coups de fil pour divers partis politiques qui n'ont pas une ligne dure, l'aile dure de l'opposition, à savoir le secteur démocratique. Ce secteur démocratique, il faut qu'on voulait chita avec Jovenel Moïse. Alors, il y a coup de fil qui a fait là, dans le niveau international là, qui a pouvoir comment capable de faire forcer, on dit bien, nous bien dit forcer, ok, parti politique ça, chita avec Jovenel Moïse, pour qu'il soit capable d'entrer directement dans la question élection. Donc, je dis à la, nous connaissons, faut nous dire que, bah, il n'est pas facile, international là, ouais, très mal, façon que Jovenel Moïse a bien le pouvoir, mais, à un certain niveau position, les États-Unis, en grande partie, et c'est une plus grosse supporter de Jovenel Moïse. Donc, je dis à la, pouvoir états-unien, qui donc, monsieur Trump, pas d'avoir perdu la face, tomber la perdu la face, par rapport avec, appui sur le débat, et que ça fait que, la force Jovenel Moïse, organiser des élections, et jouer nos consensus minimal
avec l'opposition démocratique, avec l'opposition élargie, pour qu'on au moins sauver sac de sauver. Et donc, c'est ça qui passe là, je veux dire là. L'international, il est très chita, il est campé. Qui est dans la ganache? Mais question élection, il veut pour que gagne un parlement qui établit, dans l'année 2021. Qui donc, faut que le parlement, faut que l'élection, c'est élection absortie. Non. Élection, alors, parlement, ça, après, sorti dans l'élection qui est pour organiser. Même le président de la République, lui-même, Jovenel Moïse, et avec tout problème qui posait là-haut, pas capable d'organiser l'élection présidentielle parce que il va faire confiance. Mais, international là, si pas, sous sa mêlée, organisation des élections législatives pour que, mais, donc, ville institutionnelle qui combine. Ok, n'a d'accord, Esaïe César, sous ça nous t'a dit, matin débat. Transition, c'est dernier bagage qui a vu sous tableau, d'accord? Oui. La transition, c'est dernier bagage qui a vu sous tableau. La transition, c'est dernier bagage. La transition est sur la table. La transition est déjà sur la table. Pendant par là, tout est sur la table. Mais tout dire quand on finit utiliser, finit épuiser. Eh bien, c'est ça même. Voilà. Et transition, c'est la transition, comme vous voulez dire. Transition, c'est lui-même qui va faire riche cette planète. Ça veut dire que. Et on peut trouver en année 2021 là, avant l'année 2021, combien de gangs à gang? Eh bien. À partir de mon côté, on m'a dit pour arrêter, monsieur, et Fabé Chouan, il faut qu'on dise que il y a une flèche dans la police nationale là. Pas être tout clair parce que tout ça, qu'on flèche en dans la police nationale là, qui n'est pas capable, qui n'est pas d'accord dans la question d'arrestation et chérisé. En dans police nationale là. Qui pas d'accord, question arrestation, Jimmy Cherizier alias Barbecue. Donc sous base que Jimmy Cherizier sont anciens policiers. C'est pas ça seulement. C'est que je dis que en dans police là, en dans même maman frère en dans la police là, ils ont estimé que monsieur victime, ok, donc matriarcal des organisations de droits humains. Ouais. De certaines organisations des droits humains qui a pris le bail personnel avec Jimmy Cherizier. Qui donc, en Napolistan, pour ça, Léonville, ma bonne le connaît. Si police a 15 000 policiers, il y a 7 000 policiers qui sont d'accord avec Jimmy Cherizier. Ah bon? Il y a 7 000 policiers, il y a toute base confondue en la police nationale là, ouais. Qui n'a pas accepté qu'ils ont arrêté Jimmy Cherizier. Qui donc, on va loin, mais en fait, c'est pas trop long. Vous mettez un gang à gang parce que, monsieur Nexenefio, il y a boumé pour que vous fassiez une unification en un pays, pour moun pas fouiller moun, pour voler pas attaquer. Nous parlons de la guerre civile là. Guerre civile, c'est la même. Nous parlons de la guerre civile là. Guerre civile là, ça veut dire que le président Chita, dans niveau, il va déraper dans niveau avec M. Genefio face à l'autre G et l'autre GO. L'autre GO, nous connaissons qui ont même entré droit direct la question et attaquer Moun et ou pas une loin, eh bien, il y a un groupe qui prend le sortir Saint-Marc pour l'attaquer Audemars, ou pas un autre groupe qui a pas affilié avec Genève, ou pas un autre groupe qui va même pour Genève pour l'attaquer M. Katsama Ozoyo. Depuis ces mondes qui m'ont dit la ligne question de la Genève là, c'est vous mettre face à face, et population civile là, pour aller tourner cible dans le cadre de ces ça, et laisse ça au bois jeune d'année, guerre civile, et laisse ça l'international pour atteindre avec, pour aller camper, pour arriver à ça, voilà où c'est à ça au besoin, qui s'est mis cette pays là, intervention militaire des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a décidé par la parole là, pour capable mettre Haïti. Ce couple réglé. Eh bien, merci à vous, les amis, César. Donc, Sébastien de Béfété, dimanche, La fête de Sébastien a été bien organisée. Et seulement, vous êtes absent. Mais quand même, vous êtes là de cœur parce que Sébastien est mon pile. Donc, c'est une belle fête. Le collège dit, bon, aussi. En plus d'amis. Et nous remercions, Merci à vous, les amis. Lou connais
Kevli. On a profité de saluer le commandant Stanley dans Boukri. Hein? Madame Kevli, Kevli est passée. Et ma famille, vous avez pas nous, commandant par nous. Donc nous saluons tout le monde, toute la famille Bobo dans l'Island. Et tout le monde dans le collège. Et merci parce que tout le monde est venu participer dans cette Sébastien Giovanni César, qui est le sauveur d'Haïti. Retourne sauveur d'Haïti à Cabine sur le pays. Merci en pile, Esaïe César. Bon, ce qu'il faut retenir, n'a pas avant pour ça, ce qu'il faut retenir, c'est que justement, le président Jovenel Moïse cherche un nouveau premier ministre. Maintenant, il y a quatre noms sous table là. Et Edmond Supplice Bozil, ancien sénateur donc le plateau central. Et Gadi Leblanc, donc OPL, Joseph Lambert et Charles Jean-Jacques. Le président Jovenel Moïse cherche ou bien l'international cherche? Ah, mais sans pile. Vous pouvez me parler? Non, au clair. Donc l'international cherche. Pas de Yuna Mounsa. Si l'international n'a pas contacté eux, il a marché. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, c'est ça qu'il a cherché. C'est clair. C'est clair. Bon, en tout cas, donc c'est ça qui est pratique. On dit la vérité. N'a pas été un bonheur. Et n'a pas été un bonheur. Ok. Et avant nous prendre pause là, nous allons faire un petit parler avec Yvon Jérôme tout à l'heure. Et Haïti justice. Parce qu'on est que nous chargeons plus aujourd'hui. Hein. Mais malgré ma batte de son, ma quoi, on a pris tout près. Nous allons tout ça. C'est pour le regret qui est en une heure de l'après-midi. Et nous pas aller plus loin que deux heures, trois heures, deux heures, deux heures et demie maximum. Et nous gagnons, je dis assez lundi, donc il y a une rubrique moto-moto, original pratiquement donc déjà là. Ok, Haïti justice. Je salue Kelly Bastien, je salue Aklus Lujène. Très bien. Je te salue Raymond Lutson, tout cap suivant. Président Kelly Bastien, donc n'a pas parlé après. Ok? Et nous rappelons, on n'a pas parlé après. Ok? Et Haïti justice. Dossier Sogenère. Le citoyen Dimitri Vorbe est-il recherché par l'Interpol? Pendant tout le week-end, il y a deux informations qui font toutes les réseaux sociaux. Il y a une, c'est ça qui a un rapport avec Joseph Jout qui m'a demandé pardon à Normil Rameau. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y en a qui si. Alors, Mande Silbe est intervenu. Non. Mande Silbe est intervention bien fait. Ok? Donc, il y a deux informations, José. José, je ne demande pas de l'homme de l'amour. Pas sérieux? Ah. Attendez-nous. Ouais. Mande pas de l'homme. José, je ne demande pas de l'homme de l'amour. Laisse-le dire à l'homme de l'amour. Lire les rameaux, 7 fois dans le téléphone, rameaux pas dans le téléphone. Sentime là, hein? Bon. Premier ministre Joseph Joutre, les rameaux, 7 fois dans le téléphone. Mais il y a un show, bah, de ce BJ, il y a un show. Sentime là, hein? Mais des bas, chauffez lui. Mon côté, je ne vais pas dire. Il pas lié. Non, d'appel, ou contrôle. Gardez, monsieur, mon cher. 7 fois. Mentez des bas, d'où? Lui, connaissez d'où? Lire les noms, les rameaux, 7 fois dans le téléphone. Il va vous. Et puis, rameaux pas dans le téléphone. Monsieur m'a demandé pardon. Monsieur allé faire l'excuse, faire l'aide d'excuse. Mais mes amis, maman, finalement, son bluff fait. Finalement. Non, finalement. Jean-Joseph, vous êtes clair. On est qui va faire un job là, quittez-le. Quittez-le. Démission. Alors, démission. C'est nomination. Démission. Révocation. Monsieur, vous commentez. Vous commentez. Et le premier ministre l'a fait, dans le premier voice, là, il était plateau central là. Oui. Vous connaissez. Oui. C'est une province. Oui, une province, pas ça. Premier ministre, oui. Faut qu'ils font ouvert corps là, car on a un département. Bien sûr. Et les ça, on a ouvert corps à l'UTP. Mais comment il était dit? Entre nèg bas plateau à nèg haut plateau. Oui, justement. Oui, il était parlé de nèg tout le monde. Nèg tout le monde qui pas bon même. Mon cher, nèg tout le monde pas bon même. Oui, nèg quoi. Ouais, comment justement nous, on fait, à on greffe à ma carrière. Justement. Je t'ai dit nèg tout le monde. Joseph, je te dis, tout le monde pas bon. Regardez ça, juste après. Je suis là, à galotte, oui. Mais il faut dire, parce qu'on va nous condamner. Nous condamner, lui, parce que. Mais c'est un peu un massage, je gagne tout. Je vais chercher des ministres. Je vais chercher des ministres. Donc, tout le monde dit qu'il va jouer. Mais. Le premier ministre dit ça. Il dit ça, il dit. Il y en a des biens de plateau, bas plateau, bas plateau. Mais tout le monde, c'est vagabond. Mazé Flemem. Non, il te dit ça même, il dit ça. Il dit, nec tout le monde, c'est vagabond. Mazé Flemem. Nec tout le monde, c'est vagabond. Mazé Flemem. Même. Bon, juge la Cali.
Bon premier fois un juge fait bail ça. Beaucoup gens moins un juge qui fait bail ça. Non mais là mon gonya, ma bon tu sais de lui vider sous tête lui. Tellement s'il capable à s'il vous plaît répondez non à ça. S'il capable à ça. Ben sérieux? Attendez non. Qui c'est que ça? On numéro qu'a appelé derrière le pire. Premier ministre. Premier ministre. C'est pas premier ministre. On numéro qu'a appelé le 7 fois, qu'a appelé le pire premier ministre. Président obligé de ne pas faire là, mais malheureusement, président pas gueule qu'a fait là, là même monsieur. Donc vous avez information ça qui pratiquement qui était en boucle sur les réseaux sociaux madame monsieur et puis information qui a rapport avec Dimitri Vob. Bah mais une main toute là. Non, bah Dimitri Vob là. Oui, mais ce côté que Interpol. Oui, mais main une main toute. Oui, main une main toute. Main une main toute. Et si blanc a mangé barbecue, faut blanc a baillé Dimitri tout. Dimitri tout. Donc, qui s'est passé, madame, monsieur? Sous dossier Dimitri Vob, c'est fake news. Parce que quand on a commencé le débat, quand il y a l'information, c'est nous confirmer, c'est nous même infirmer tout. Et dans le week-end, moi, et puis on a tout pour nous appeler. Et dans le week-end, Dans le week-end, moi. Tout dans le week-end. On a m'obligé pour téléphone de travail, moi. Oui, ouais. Monter sur Internet, ma gamme de l'homme, même garder moi zéro. Mais là, qui fait montage, ça, bien fait. Et puis, ça me fait bien maintenant. Donc, j'ai appelé le ministre de la Justice. Allez, sous cela. Oui, monsieur, on fait la maison. Allez, sous cela. J'ai appelé, on fait la maison, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Dis, monsieur le ministre, ça va bien? Dis, oh, monsieur Désir, ma gamme. Et comment ça va, monsieur Consalé? Oui, on est Consalé, mec. Ok. Allez, bon français, là, voilà. C'est Jout Tekone, il t'a bloqué l'appel, là. Ok, bah, il est passé, papa, de Jout. Il va aller bon français? Ouais, bah, il est passé l'autre. Pourquoi, monsieur a dit, il est un petit genre, bah, passé académique, un petit genre douté. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Kouya. Ah, c'est le politique, oui, j'ai capable de faire la Ah, c'est le numéro 2. Regardez! Madame, monsieur, on sait comment c'est gouvernement, Jacques Lafontaine? Font demande d'asile aux États-Unis d'Amérique. Comment c'est menté? Comment tu veux ça? Tu as crasé, je me brûle. Tu as élu le cabaret. Mais tu as crasé! Ma parole de mon quoi? C'est le pays d'Haïti, mais c'est. Ouf, Maintenant, j'ai appelé le ministre de la Justice, monsieur Ophélie Vincent, et il me dit, monsieur Désir, et en forme, qui s'est fait boum, voilà. Mon information là, je me suis confirmé avec vous, je dis, je ne suis pas au courant. Je dis, oh, monsieur le ministre. Je dis, non, mais monsieur Dimba au courant de aucune action que l'État haïtien ait produit là contre le sieur Dimitri Vob, donc un niveau Interpol. Alors, nouvelle action? Je dis, aucune action. Aucune action, en ce sens. Non, en ce sens, Interpol. En ce sens, Interpol. Ok? Donc, je dis, oui, mais ministre, monsieur Désir, moi, donc, le gouvernement haïtien, moi, je suis le ministre de la Justice que je représente. Fais attention à la négative, non? Ok. ABC. Pas aucune action en ce sens que l'État haïtien est tenté contre le soir Dimitri Vob. Question Interpol, là, ça. À son fake news. Alors, la précision, madame, monsieur, sur cette question, ça vous le connaît. Lettre nouvelle, son lettre signée par un commissaire gouvernement, de gouvernement. Mm-hmm. Ok. Et là, vous me dites, nous, en matière de communication, vous nous intelligents. Si c'était l'État haïtien qui t'a fondé marche auprès des États-Unis d'Amérique ou de l'Interpol, il va être commissaire gouvernement, l'État ministère de la Justice ou bien ministère des Affaires étrangères, parce que c'est deux pays à pays. On comprend ça, oui. Ah ben c'est l'Afrique là, oui. C'est même gens tout, ou après que gagne, on note sous. Ça sous nom Miami Herald, on s'en fout même bagarre là. Madame, non, il dit autour, il dit. Madame, j'ai été quoi là. Il dit, bon, la Kali, lui-même, il dit pas sur lui, on va jouer avec lui. Il va faire diffamation sur moi-même. Oui, bon. Ok. Et je vais te prier nous pour une bataille. Ok, ok, même là, ok, Oui, mais finalement. Je vais madame, là, passer là. Comme quoi, il a fait accident. Ouais. Il était sous. Ok. Donc, en fait. Et non, mais il a été dimitri deux fois déjà là-bas, oui. Oui. Ah oui. Il a été dimitri deux fois déjà aux États-Unis pour faire conduire sous bail comme ça. Donc, tout bail est passé. Oui, quoi, ça, c'est pour faire bateau sans licence. Mais nous, on ne sait pas parler là. On dit, là. Oui. Il a été le nom bateau sans licence. Bel bateau. Bah, on est, il va ici, vous pouvez un autre là, ou là, qui est là. Et puis, c'est mana. Et mana, il m'a dit, bon, là, non, papa. On est pour tirer notre voile car vous dites moi, je vais faire de la guerre. Bah, il va faire de la guerre. Ah, c'est là, ça, monsieur. Pas une licence. Non, bateau sans licence.
Et bien, il a arrêté là, il est dans la rue, il n'est pas de bon même. Bon, je connais. Ok, donc en fait, la question de Dimitri, donc c'est fake news. Ok, pas aucune action que l'État haïtien ou le gouvernement haïtien a tenté contre le citoyen Dimitri Vobs, ok, auprès de l'Interpol. Pas de bon ça même. Comme on dit, notre nous, si c'était l'État haïtien, ou d'après c'est le ministère de la Justice, ou bien le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est ça pratiquement, donc l'information. Ok? N'a propose, n'a pas tourné, pas virer le bouton à Dieu. N'a pas tourné.